Deuxième journée de Ligue 2 au stade de Roudourou. Guingamp recevait Angers, deux équipes ayant remporté leur premier match de championnat vendredi dernier. La première occasion de ce match est pour Guingamp. À vrai dire, il n'y aura que des occasions guingampaises dans ce résumé, puisqu'Angers n'a pas eu vraiment d'opportunité dans ce match. Thibaut Giresse, on vient de le voir, place un coup franc juste à côté des cages de Padovani. Mathieu Scarpelli aura également l'occasion d'ouvrir le score, mais sa frappe est un tout petit peu trop écrasée pour Padovani. Nouvelle occasion pour Guingamp sur le côté droit avec Matisse, mais Grax écrase lui aussi sa frappe. Padovani est vigilant sur sa ligne. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Guingampais auront toujours le ballon, mais la domination sera un petit peu plus stérile, car les Guingampais n'auront pas vraiment eu d'occasion dans cette seconde mi-temps. Corner d'El Jadeyaoui ici, la tête de Bacilla passe quelques centimètres au-dessus de la barre angevine. Dernière occasion pour Sébastien Grax, on va voir qui va décaler Mouri Ola Ogunbiyi sur le côté droit. Le Béninois malheureusement ne trouve pas Sébastien Grax au centre de la surface de réparation. La balle va revenir dans la surface angevine, mais il n'y aura pas de but à la clé. 0-0 donc, score final après cette rencontre. Voici les réactions de Fabrice Collot, Stéphane Trévisan et François Belougou au micro de AGTV. Stéphane, hier 0-0 contre Angers, un point de gagné ou deux points de perdu? Je sais pas trop, la question est délicate. Si on avait fait match nul à Ajaccio et gagné hier contre Angers, tout le monde aurait été content. C'est vrai que le fait d'avoir gagné à Ajaccio, on aurait aimé bonifier cette victoire par les trois points hier. Ça n'a pas été fait, mais ça reste quand même quatre points en deux matchs. C'est un début de saison intéressant pour l'instant. Et comment tu juges l'ambiance du groupe pour cette nouvelle saison? Ça part un petit peu sur la même dynamique que la saison dernière, avec la victoire en Coupe de France, le maintien acquis de belle façon, même si avec les matchs de Coupe, on a perdu quelques points à domicile, notamment l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on repart sur de bonnes bases. Les matchs amicaux avaient été bons. Le recrutement a été fait assez tôt, on a pu se préparer tous ensemble, donc c'est vrai que ça donne des atouts pour commencer la saison, et pour l'instant elle se commence bien. Je pense qu'il faut voir les choses positives, quoi. L'an dernier on a mis 8 matchs pour prendre 4 points, cette année au bout de 2 matchs il y a 4 points. Quand on voit l'an dernier qu'en février, en mars, on n'était pas loin des équipes de tête malgré notre début. Je pense qu'il faut se contenter de ce point. Ce point, à la fin, peut-être qu'il comptera, quoi. C'est un point, il ne faut pas le galvauder. Comme a dit le coach, quand on ne peut pas gagner, à la fin, faut se contenter d'un point et on avance, quoi. On a vu une défense solide, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Déjà, les joueurs n'ont pas trop changé en défense, donc il y a les automatismes. Et ouais, c'est sûr, c'est bien d'avoir une défense solide. Ça assure un certain nombre de points dans une saison. Après, il faudrait essayer ce genre de match de le faire tourner en notre faveur, quoi, parce qu'il y avait la place. Mais déjà, sans prendre de but, on est sûr d'avancer, et ça, c'est une bonne chose, quoi. Je pense qu'on reste un peu sur notre faim, dans la mesure où, sur l'ensemble du match, on a été dominateur dans la conservation du ballon et un nombre d'occasions aussi. Je pense qu'en première mi-temps, on aurait pu faire la décision et marquer ce petit but qui nous aurait permis de gagner le match. La défense a été solide, qu'est-ce que tu penses de ça? La défense est solide, je crois qu'à ce niveau-là il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cet été, donc on reste sur les mêmes bases que l'an passé, on essaie de garder une solidité défensive un maximum pour après, comme on a pu le voir à Ajaccio, marquer un petit but qui nous permet de gagner des matchs, quoi. Donc au niveau de la défense, je ne me fais pas trop de soucis pour cette saison. Quels sont les points améliorés dans l'équipe maintenant? Je pense qu'on doit tous ensemble être beaucoup plus tueurs et avoir plus envie de marquer ce petit but à chaque fois qui nous permettra de gagner des matchs. Donc, même si hier on fait un très bon match et on a des occasions de but, à la fin il y a 0-0 et puis match nul à domicile, ça ne nous fait pas avancer, même si ce n'est pas un mauvais résultat.